Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de consacrer cette cathédrale. Participons à cette liturgie avec ferveur, en accueillant avec foi la paroi, et qui viennent aussi pour nous entourer et nous accompagner. Qu'ils soient les bienvenus. N'oublions pas que notre cette église, et ensuite sur nous, en signe de pénitence, en rappel de notre baptême. Que le Seigneur lui-même assiste par sa grâce, assiste de sa grâce, tous ceux qui sont dociles à l'Esprit, l'Esprit Saint que nous avons reçu. Puissions-nous demeurer fidèles. Sanctifie cette eau que tu as créée, quand elle sera répandue sur nous et sur les murs de cette église, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ et que nous devenions le temple de ton Esprit. Accorde à ton peuple ici rassemblé de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu, tu es puissant d'avenir ce sein. Quand je ne plus la mort, permets, Seigneur, que tout lieu, où l'on répondra à l'eau que nous allons mériter. Nous te bénissons, Seigneur Père très saint, toi qui as envoyé ton Fils dans ce monde pour rassembler au puits de son sang les hommes que le péché avait dispersés, et pour être le pasteur et la porte de ceux qui entreraient dans l'unique bercail, Christ, ton Fils, accès auprès de toi, le Père, dans l'unique esprit, pour qu'il contribue toujours à faire grandir la construction de la Jérusalem céleste, par le Christ notre Seigneur. Pas de problème, pas de problème. Alors,